Le 13e printemps de la collégiale a démarré depuis hier soir. 61 peintres, sculpteurs et photographes sont présents. Et ils rivalisent tous par leur talent. On a pu faire, hier c'était le vernissage, plus de 200 personnes étaient là. Mais avant de les voir un coup ensemble, il y a eu la remise des prix. Et donc le premier prix de l'association, c'était Monsieur Fouquet, un nouveau peintre qui était là. Le deuxième prix, c'était Monsieur Pierre Drussard. Le troisième, c'était Monsieur Michel Stanard. Le prix Patrice Laine, c'était... Oh là là, j'ai... Merde. Le prix Patrice Laine, c'était Monsieur Pavia. Et le prix Jean-Luc Bonte, Monsieur Chardon. Voilà. Et puis demain soir, on connaîtra le prix du public. L'exposition a toujours un grand succès. Hier, au moins 200 personnes étaient là. Là, cet après-midi, c'est le samedi, il y a un petit peu moins, mais la collégiale se remplit tout doucement. Et demain, nous sommes certains qu'il y aura beaucoup de monde. Alors, cette exposition, elle est possible parce qu'il y a pas mal de monde qui s'y investit, entre autres la commune, qui met à disposition les employés municipaux pour l'acheminement des grilles, pour l'installation électrique, et puis une douzaine de bénévoles qui, chacun dans leur talent, font en sorte que le printemps de la collégiale soit un moment incontournable de la vie de Picquigny. Hein, vraiment, c'est le 13e, et puis on espère que c'est pas fini, qu'on pourra encore en faire d'autres. Alors, l'installation électrique de la collégiale va être entièrement restaurée à partir de la semaine prochaine. On est très content parce que l'installation telle qu'elle est là aujourd'hui, c'est parfait, mais on est en limite de tension. On est limité par rapport, on voudrait mettre plus d'éclairage, mais on ne peut pas plus. Mais c'est déjà très bien. Quand on voit d'autres expositions dans la région, la qualité de présentation des tableaux et de l'électricité est vraiment un point fort. Voilà. Que dire d'autre? Mais également, les enfants de l'école étaient présents, comme tous les ans. Cette année, c'était tous les enfants de l'école maternelle et qui ont travaillé sur les Jeux Olympiques. Et ce qu'ils ont fait, c'est bien. Enfin, c'est bien, on est content. Voilà. Donc, que dire de plus? C'est toujours une grande satisfaction de voir, de pouvoir faire cette exposition et puis de voir les peintres, les exposants, dans leur immense majorité, très contents de la manière dont c'est organisé. Voilà. Bon, cette année, il fait un petit peu froid. L'exposition aurait eu lieu la semaine dernière, les gens auraient eu trop chaud. Là, on supporte la petite lune, mais bon, ça se passe bien.